la police, identifier terroristes qui ont plagué l'huile tout côté pour continuer à assassiner les haïtiens. La circonstance des haïtiens, je vous le dis à la question, on peut connaître deux forces dans le pays. Il y a deux forces dans le pays. Et si monsieur a fait travail sur le terrain, on va pas travailler ça d'abord. Et en notre texte, nous profiter. Il y a été un colloque côté une soixantaine de partis politiques, avec près de 1700 organisations qui ont parlé très bien. Je te dis toutefois que le chef de la police n'a pas qu'à faire travail, il n'a pas qu'à prendre responsabilité, qu'elle rende la population service, qu'elle démissionne. Mais pas oublier, la constitution haïtienne connaît deux forces. Les forces armées d'Haïti et la police nationale. Ça veut dire que nous pensons avant de parler, il a obligé de le général Lamea pour parler avec l'avant, il a fait des classes de ça. Pourquoi c'est une responsabilité? Monsieur, c'est un bandant au état-major. Moi, je suis un citoyen engagé. Moi, c'est un leader politique. Moi, je suis un parti politique qui m'a dirigé. Je dis à moi, j'ai dit en tant que directeur de la police, comme moi, avec comme vous, KPL, nous demander la suite de responsabilité. Nous ne pas demander, monsieur, pour nous plaindre, bon, nous demander pour la suite de responsabilité pendant que les terroristes a posé des actions, petit pour pas à l'école, petit tout le monde, il y a l'école. Il y a gradué dans l'université de l'autre côté. Mais petit pas mieux, petit pas mieux, c'est là où l'école. Haïti, c'est pour nous. De toute façon, on a demandé, c'est que la police, pour reconnaître qu'elle ne va pas appartenir à aucun parti politique, même lorsque son parti politique est référé, je dis à quelqu'un pour faire travail la police. Qu'est-ce qui paragraphe là? Paragraphe là, quand c'est fait, nous mettons un paragraphe là. Nous mettons une image là, et nous mettons un boulette de là. Alors, comment on va le faire? Pour le monde qui gagne au terre, en formation qui est basée sur HTML5 et puis CSS3 ensemble avec JavaScript. Alors formation ça nous target jeunes qui vivent dans la cité soleil et ensuite nous target un jeune qui sorti dans plusieurs autres endroits tels que nous gagne jeunes qui là qui sorti Pétionville, nous gagne jeunes qui là tout qui sorti Carrefour la plaine, nous gagne un paquet de jeunes que nous gagne qui sorti dans plusieurs quartiers en Haïti, mais côté que nous a fait en formation ça c'est dans la cité soleil que nous fait. La raison qui fait nous te fait choix, on m'a fait avancement avec une organisation ici en Kélé, la Coula ensemble avec Good Samaritan Foundation par pasteur Vincent ensemble avec Louis Henry qui dans la cour la paix. La raison que nous avons fait choix en passer mission lui Henri c'est porter la paix dans plusieurs quartiers ghetto qui gagne danger, c'est porter la paix pour capable faire jeune yo dans le sens que la paix entre yo. Raison qui fait nous t'ai choisi plusieurs étudiants dans plusieurs zones, c'est pour nous être capable on prendre faire bâtir connexion ensemble avec et puis faire jeune ça rentrer dans domaine technologie pour capable on prendre aider Haïti dans le futur. Ça que nous demander du jeune yo que supposé gain base informatique là son bagage que nous demander qui obligation que yo gain parce que si yo pas gain base d'informatique là quand aller très vite nous pas bien suffisamment de temps pour nous enseigner informatique là. Après information ça que nous avons intention faire pour jeune ça tu vas regarder bien mao qui sont moi sont mao qui marqué Georgia Tech moi même si on professeur dans Georgia Tech coding bootcamp son bootcamp qui fait pendant 6 mois alors courant que n'a fait là son coup qui approuvé parmi qui approuvé pour Georgia Tech et Georgia Tech c'est une 4 pigo université à travers le monde. Ce n'est pas à travers les États-Unis, non, à travers le monde. 4 plus grandes universités dans le domaine informatique. Là. Alors, si on cours qui est approuvé par Georgia Tech, qu'on a fait là dans Cité Soleil, pour être capable de prendre 30 jeunes, pour être capable de rentrer dans le domaine technologie. Après formation, ça, jeunes, ça, nous avons intention d'intégrer, faire connecter ensemble avec jeunes en Haïti qui sont dans le domaine technologie, tel que un groupe qui est le Facebook Developer Circle in Haiti right now. Nous avons intention de connecter. Ensuite, nous avons jeunes ensemble avec nous ici, qui c'est Emmanuel Fleuril, qui c'est Lead Developer for Developer Circle. Nous avons intention d'intégrer jeunes, ça, dans la communauté technologique.
tout dans communauté technologie en Haïti et ensuite nous gain intention intégrer jeunes ça ensemble avec l'autre jeune qui sur WhatsApp tout qui dans domaine technologie. Nous gion Slack channel qui c'est un côté que nous même nous communiquer ensemble avec tout développeur haïtien qui vivent à travers le monde entier. Nous gion Slack channel qui réservé pour jeunes ça capable venir là-dedans puis capable continuer étudier. C'est pas simplement 2 juin mais après 2 juin on est capable rester contacter avec eux et puis fournir yon ressource en ligne côté nous gain intention rencontrer avec jeunes ça peut-être chaque fois non mois pour capable là pour conseiller guider pour tes ressources bio. C'est première fois que on a fait formation ça dans Cité Soleil mais plan nous gain intention faire formation ça peut-être chaque yon fois non année et plan nous c'est faire dans plusieurs quartiers côté que monde pas entrer là nous gain intention nous même nous entrer ensemble avec équipe nous spécialement la Coulapé God Samaritan Foundation nous gain intention rentrer dans quartier ça pour faire formation et pour montrer jeunes yo en gain espoir parce que moi même c'est next Cité Soleil que moi grandi là-dedans grandi dans misère me songer que parfois me compte faire 2 jours 3 jours sans manger mais on bon bail que m'étais toujours kembé dans même au lieu pour kembé manche m'étais toujours kembé livre dans même et c'est jodi am capable représenter Georgia Tech en Haïti dans Cité Soleil. Dernier message m'ta aimé partager, m'ta aimé voyer 2 messages. Premier message pour chaque monde qui tande là, sous son monde qui dans domaine informatique là, on va chercher connecter ensemble avec nous sur Facebook non pas c'est Sterling Aximé, connecter avec nous parce que nous gain plan spécialement en jeunes qui gain intérêt dans domaine technologie pour Haïti parce que Haïti besoin et pour ça nous penser c'est eux même qui capable aider Haïti sortir dans sa culture. Deuxième message m'ta aimé voyer c'est pour diaspora ou même qui l'autre bois qui pas gain espoir en Haïti qui rete l'autre bois qui dit mon cher mon côté mien ba prendre en Haïti son pays tête chargé li moi même c'est 18 novembre moi venir moi atterri en Haïti pendant grève là commencé a et tout un mardi et tout lundi mercredi moi dans la rue m'a circulé dans la rue pour monsieur c'était pour moi tension la rue tout et puis organiser ça pour me faire alors si moi même moi capable faire non seulement dans Cité Soleil et malgré tension Haïti mon cher bah pour qui raison observer bout dans l'autre bois de suivre le discours président son adresse à la nation et nous tendez li avec attention et nous finis par croire que nous étions sous soif nous. Nous sommes sous soif, nous, par le seul fait que le discours président, pour nous-mêmes, n'analyse pas nous, ne pas correspondre, ne pas répondre à la dimension crise que, qui a traversé le pays. Là. Ça ne le dit pas là. On dit un président de la République, c'est-à-dire un chef d'État, qui retrouve au centre d'une crise multiforme et multidimensionnelle. Ce n'est pas une petite crise pitié, c'est une crise qui gagne plusieurs dimensions là-dedans. Il prend plusieurs formes. C'est une crise totale. Côté que ou une crise politique qui est mélangée avec une crise économique, une crise sociale, et ou un bagage Santa Cabrille, c'est une crise même sociétale, c'est-à-dire que la société a volé en éclat. Et pas de référence encore, toutes les valeurs ont tombé. Il est même entré au niveau civique par le seul fait que la population, la majorité du pays, n'a pas quoi dans le pays encore. Le pays n'a pas arrivé là pour contre lui. C'est ce que moi-même m'relais que j'appelle l'échec de toutes les élites. Parce que c'est l'élite pays qui mette là. Ce n'est pas paysan, pauvre paysan haïtien, hein, qui pas qu'on lit, pas qu'on écrit, qui pauvre. Et ni moun ki nan zone défavorisée qui mette là parce que c'est pas yo qui dirige pays moun ki dirige pays c'est des élites et élite là c'est qui est lié n'a parlé de qui élite c'est élite économique là élite sociale là élite religieuse des intellectuels élite politique c'est nous mêmes qui mettez pays dans côté là donc à partir de ce moment moi je pense que il faut une concertation entre ces secteurs-là pour dire ça n'a fait avec 27 750 km² ça, 12 millions de monde là-dedans, plus de 80% là-dedans, c'est des pauvres. Et ils sont pauvres depuis qu'ils ont fait, ils ont mouru pauvres. Est-ce que n'a continué avec une société comme ça, déséquilibrée, qui capable à n'importe quel moment éclater et puis le poté nous tout aller. Un déficit de crédibilité. Tant qu'on pas comblé déficit de crédibilité ça, on pas faire dialogue.
Puisque au fond, si je n'ai pas fort confiance, comment je vais le faire, agita pour me discuter avant, pour me croire ça? Il faut qu'il y ait des bails qui fait d'abord, qui pour faire comment ou commencer à aménager ça n'a qu'à arriver une nouvelle confiance entre acteurs. Parce que je ne vais pas prendre un bail comme ça, et puis, je connais que les gens qui ont fait ça, c'est menti la bail. Il n'y a pas de parole. Donc, si aller dans une démarche pareille, déjà avec une idée préconçue, il n'y a pas de marcher. Donc, il y a un préparatif qui peut faire. Ce n'est pas un nickel pour dire et c'est pour notre génération. Non, ça c'est parole. Et nous avons dit, on parole en l'air. Il faut que y ait des actes qui posent pour commencer à reprendre crédibilité dans la société. Bon, fusion pas foutu répondre une question ça pose. Et encore moins moi-même pas répondre. Pour quelle raison? Fusion actuellement a travaillé avec un ensemble de partis politiques. Ensemble de partis politiques, nous avons sorti une note à fond pour nous débattre en position nous par rapport à la crise, c'est-à-dire le groupe. Et le groupe l'a vint élargi, il y a plus de partis politiques là dans le Kounia. Et il y a travail dans le cadre d'abord de rechercher une unité. Et vous voyez qui est fort à faire. Son effort de chercher de crédibilité dans l'action que nous avons fait. Chercher Santa Carver une unité dans ce que nous avons fait. De telle sorte que l'en sorte une position, que c'est pour une position en l'air, son bagage mûrement étudié. Côté que y a des accords là-dedans, il y a des engagements là-dedans, qu'il prend. Donc c'est pour cette raison que nous disons fusion, pas qu'à répondre à la question ça, parce que pour répondre à la question ça, il n'y a pas qu'à répondre pour contre lui, il est obligé de gagner et mettre en harmonie, en diapason avec et Santa Cabrile, la tendance prioritaire à l'intérieur de groupe que la paix évolue. Il n'y a pas foutu pour une position pour contre lui, en dehors de groupe que la paix évolue avec. Bon, on est toujours dans un perpétuel recommencement, parce que là, pour ceux qui ont vécu des années en Haïti, voilà, comprennent et pensent. Bon, nous dérapons, ça, sans façon de comprendre que c'est dommage, parce que lorsque nous venons en situation où l'université, universitaire, tête pensante, pour me répéter, on est durant une université universitante, où l'université pas fonctionnable à bon escient, lorsque nous venons en période où l'école est perturbée, et chacun pour chaque dole, c'est que même dans le pays où il y a la guerre, l'école toujours fonctionne. Là, regardez ça. Et c'est que si mon a vivre là, n'est pas bon. L'école magistrature, l'école de la magistrature affectée, tout côté affecté. Mais ça, c'est là qui est touchant. Parce que là, le pouvoir de la parole, parce que même l'oral dans la Bible, il y a la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toute chose a été faite avec elle et non sans elle. Fon kachita pour nous parler, pour nous dialoguer, pour nous dire côté blessé, nous côté pas blessé. Moi-même, kachita là, j'ai une obligation de réserve, je ne peux pas faire n'importe quelle intervention en tant que magistrat, mais comme
directeur de l'école de la magistrature là, on a accepté un jour que ça affecte nous, ça touche nous, parce que si n'a pas pris un jeune nous, l'important de l'histoire, n'a pas cultivé, n'a pas parlé de exploit de nos héros, et fini qu'on a jour consacré à exploit de nos héros. Presque jour, presque galvaudé, parce que l'on regarde. Le 17 octobre, ça a passé. Regardez, le 18 novembre, ça a passé. Dorchelis family. Sacré. Ça a touché nous. Ça a touché nous parce que. Il y a le passé, il y a le présent, il y a l'avenir. Tu es bon passé qui fait de fer et de sang. Il y a le présent que nous vivons depuis des mois, des années, et l'avenir. Nous tous qui là n'a passé, mais l'avenir. Et pour qui ça c'est dans la date où tout pays qui dans le continent africain et tout pays européen, tout pays d'Amérique. Il y a une importante date ça pour nous. Donc on est important. Et c'est une date ça pour le phénomène ça au passé. Donc c'est triste. Il y a le présent, il y a le passé. Il y a le passé présent. Il y a le présent futur, l'avenir de nos enfants. L'OTAN leur a porté le drapeau. Et qu'on dit, je jure devant Dieu et devant la nation d'en être le gardien intraitable et farouche. C'est ça qu'on dit longtemps. Moi, j'aime de l'école des arts. Je jure devant Dieu et devant la nation d'être le gardien intraitable et farouche. Mais c'est pas sans raison que dans certains pays où il y a diffusé des images tristes d'Haïti, des zones misérables, des images honteuses. C'est pas pour aviler nous. C'est pas pour montrer que nous ne nous pas faire rien avec un débat d'Osnoa. Nous campons tout en abdi. Première République noire indépendante qui est un exemple à travers le monde. Je sais image ça, image honteuse ça qui a sorti. Il y a le pouvoir de la parole. Il dit on peut tout transformer, on peut transformer le désespoir en espoir à partir de la parole. Il dit la parole fait sève, la parole nourrit. Il vous dit la parole capable son serpent venimeux qui a piqué autour. Il dit tout. Que la parole c'est l'émanation de l'âme. Et l'âme est immortelle. Je ne sais pas ce que je dis. C'est que je demande à tous mes frères haïtiens. Je demande tout à tous mes frères de la planète de comprendre et de s'asseoir pour sauvegarder l'intégrité du peuple haïtien. Haïti, symbole liberté, tête ensemble avec l'unité. Nous constatons comment goûter pour pouvoir. Vle fè pwòp pitit peyi a ap pase simbòl sa an ba pye. Krasé brisé, bloke peyi, an ba pa monte, an ou pa desann, ap pa pote chanjman. Se bon jan dialòg, yon ak lòt, san hipokrizi, kap pote chanjman total kapital. Patizan la pè, fè apel ak tout pitit peyi a. Poun di yo, Haïti, se pou nou tout. An ba peyi a yon chans. An nou mache. Dorchelis family. Men an men pou kontinye flote drapo bleu rouge la.
Partisan la paix a invité tout Haïtien dans 10 départements dans un gros marche pacifique pour nous demander la paix jusqu'à dimanche 9 décembre 2018 là. Vive Haïti, vive Partisan la paix. Merci. Marche pacifique pour la paix que Partisan la paix a fait. N'a commencé depuis place Boyer pour nous faire tout parcours là, descendre la ville pour nous boutli place d'Italie dans place la paix. Et dans marche pacifique ça, nous demander pour toute vive nation à participer. Pour nous demander ni gouvernement ni opposition la paix et n'a demandé l'état, chef du gouvernement pour yo entrer dans un dialogue rapide pour que tout peuple haïtien capable retourner dans confiance. Parce que nous avons une semaine depuis petit monde pas à l'école, monde pas à travail, nous avons rien pas fonctionner. Ambulance a passé vagabond ba au coup de roche, vagabond même tenter bouler ambulance. C'est tout ça qu'a fait yo. Son seul monde qui est victime, son seul secteur qui est victime là-dedans, dirait les peuples haïtiens. Nous demandons pour les acteurs politiques de mettre tête ensemble. Et c'est ça que fait nous, mêmes partisans la paix, qui pas pour la droite, qui pas pour la gauche, nous ne gagnons qu'un, mais un seul partisan nous gagnons, c'est les peuples haïtiens. Nous demandons la paix, tête ensemble, pour le gouvernement, avec pouvoir, mettre tête ensemble pour Haïti avancer. Nous, mêmes partisans la paix, pas gagner aucun coin dans le pays qui pas pour nous. Et nous pas de division entre nèg en haut et nèg en bas. C'est ça que marche pour la paix ça, nous inviter toute couche dans la société là. Qui tout nèg Pétionville, qui tout nèg en bas la ville, ou nèg ghetto, ou partisan gouvernement, partisan opposition, ou c'est haïtien, nous invitons dans marche là. Ça fait nous pas gain limite, nous pas gain zone de non droit. C'est ça fait n'a commencé le Pétionville et n'a fini en bas la ville là. Agi Haïti a condamné à toute force li massacre qui fait la Saline, massacre sous petit bébé, massacre sous jeune garçon, jeune femme dans quartier populaire yo ak nan manifestation peuple haïtien tap fait pour chercher lumière sous cob Petro-Caribéa dirigeant haïtien yo fait gagot gaspiller ak complicité parlementaire yo. Pas de personne qui ka camper en face bataille ça qui c'est procès Petro-Caribéa parce que c'est un procès 21e siècle. Bataille pour moun vivre tant que moun dans pays d'Haïti pas jamais campé parce que dans société qui gagne exclusion politique et sociale côté gagne moun en haut ak moun en bas gagne éducation pour moun la boule et puis yon l'autre éducation pour moun cité soleil moun matissant la Fossette la Saline Solino ak Fort Saint-Clair et Latrier bataille pa dwe jam suspend si parlementaire te jerol yo tout bon vrai l'agent ça t'a fait l'école route université centre professionnel centre santé l'hôpital batikay pour moun rete ak encadrement pour jeunesse là pour yo suspend al prend humiliation Saint-Domingue Chili Brésil Argentine et la Trier. Faut que nous gagnions l'état sans force côté qu'a créer richesse pour tout haïtien à la honte badé. Agi Haïti mandé chaque haïtien quel que soit tendance ou en chita parler dans un vrai dialogue national pour nous sauver pays d'Haïti, Haïti nous réveille. Agi Haïti mandé tout haïtien en agir pour changer Haïti. Dans environ une semaine, nous allons commencer une grande neuvaine de prières à l'occasion de la fête de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Neuvaine ça, nous fait autour du thème Maman Marie, Maman Délivrance, Haïti dans Méon. C'est un thème que chrétiens yo nous choisi ensemble dans paroisse là ensemble avec universitaires parce que nous toutes comme haïtiens nous touchés par ensemble d'événements tragiques que pays a à vivre et en tant qu'homme
en tant que prêtre, en tant qu'accompagnateur pastoral des jeunes et pastoral universitaire, nous condamner malin sous toute forme, quelle que soit provenance li. Parce que finalité, nous comme monde, c'est vivre. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, l'homme vivant, l'homme qui chante, l'homme qui est heureux. Automatiquement, gagner violence, gagner pleurs, gagner cris, gagner souffrance. Automatiquement, que gagner misère, gagner injustice, li aller à l'encontre de plan bon Dieu. Et rôle nous en tant que chrétiens et en tant que prêtres, ce n'est pas longer droite pour nous chercher qu'on est qui monde qui a raison, qui monde qui a tort, mais c'est chercher une méthode qui est plus efficace pour nous capables de travailler comme église et comme prêtre pour bien-être tout haïtien. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes comme paroisse universitaire, nous pensons que une alternative que le pays a gagné surtout ces derniers temps, face à violence qui déchaîne de tous côtés, insécurité dans les quartiers populaires, incompréhension de part et d'autre, opposition à travers les idées politiques, nous pensons que faut nous prendre un petit temps en tant qu'haïtien pour nous remettre tout le bagage ça yo, bye bon Dieu. Qui a raison, qui a tort, si ces questions ça, mon APC posé, n'a posé question toute la vie, nous, n'a bataille toute la vie. Et d'ailleurs, ça fait plus de 200 ans, ça n'a pas utile en rien. C'est peut-être ça au niveau de paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Nous choisissons comme thème pour nous remettre pays à bye bon Dieu. Nous faisons ça, ça fait environ 75 ans, l'un des gros problèmes virulents. Et nous, encore une fois, les fondamentales pour que non seulement nous-mêmes, chrétiens catholiques, même Jean-Archevêque l'a demandé ça, le jour 18 novembre, pour te prier pour le pays. Mais moi, c'est que tout le monde qui a une confession chrétienne dans le pays, que ce soit protestant, catholique, il est bon pour organiser des activités de prière pour nous voir comment nous sommes capables de demander bon Dieu pour dire un mot dans la situation qu'a traversé Haïti. Et peut-être ça, nous venons, il y a fait autour de thème Maman Marie, Maman Délivrance, Haïti, tout Haïtien dans le monde. Ça veut dire que ce soit mon nom. Il était monde qui dans telle organisation politique, que ce soit monde qui était dans tel quartier populaire, que ce soit monde qui était pensé et en faveur tel groupe ou tel l'autre groupe, c'est Haïti. Et c'est tout Haïti nous remettre par maman immaculée pour nous capable chercher ensemble la paix. C'est comme ça nous venons pas le faire, c'est sous thème ça le pral débat. Les miracles de Dieu, nous pas jamais gien aucune logique pour expliquer. D'ailleurs, à travers les écritures, nous capable toujours marquer que les interventions de Jésus, les miracles faits par Jésus, les interventions de la Vierge Marie pour les peuples, particulièrement pour Haïti, sont toujours très bénéfiques. Des fois, nous avons cherché des solutions qui chita dans le social. Nous avons demandé est-ce que si tel bagaille, si tel monde est là, pas là, si tel monde remplacé, est-ce que ça ne peut pas aller mieux. Je doute fort que la solution c'est là. Ce n'est pas comme si on sortit, on rentrait, mais essayez avec bon Dieu pour nous voir comment nous capables de chercher une solution qui est capable d'aider tout pays. Violence dans le quartier populaire n'a pas fait sens. Nous avons des images des parents, des gens qui ont crié, des parents de policiers, des policiers qui ont crié perte, yon l'autre ami qui mourit dans des conditions que nous tous, nous voyons qui franchement inhumaines. Bagaille ça n'a pas aidé une société, il n'a pas fait valeur une société tant que nous-mêmes, société haïtienne. Donc, nous avons fait une veine, comme d'habitude, du 29 novembre au 8 décembre, jusqu'au 7 décembre. C'est 10 jours, la prière sans arrêter. Nous avons commencé dans l'église Immaculée dès 6 heures du matin. Nous avons fait une messe toute la journée, 6 heures, 8 heures, midi. Nous avons fait des chapelets que nous avons fait constamment pour nous capables de prier pour les familles haïtiennes, prier pour les gens qui quittent le sentiment de violence envahir sans arrêt. Et chaque après-midi, de 3h à 8h, nous t'adouer, faire dans statut locator. Nous mettons un bémol, nous t'adouer. C'est parce que nous souhaitons qu'au fur et à mesure, conditions de fonctionnement, il y a un petit genre établi pour que le rythme de prière que nous toujours prenons chaque année, nous arrivions pour un an. Et puis, le 8 décembre, a gagné une grande procession. Tout chrétien catholique, tout petit Maman Marie, avec chapelet, nous avons sorti sous place canapé vert.
n'a dit seulement des je vous salue et des prières à la Vierge Marie, des chants à la Vierge Marie, pour nous faire un seul bagaille, remettre Haïti dans main Jésus par l'intercession mon mari. Nous-mêmes c'est chrétiens catholiques nous y est. Premier rôle nous, c'est travail, prier pour la conversion de l'homme haïtien. Parce que Jean nous penser bagaille capable fait là, nous pas quoi que c'est meilleure solution, et en tant que responsable de jeunes, en tant que prêtre, en tant que curé de la paroisse universitaire, nous penser que ligne que nous devons suivre là, c'est remettre pays à bail maman Marie, et c'est ça que nous pourrons faire pendant le 29 du 29 novembre au 8 décembre. Thank you.